Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de Let's Play sur A Plague Tale Requiem. Alors on approche tout doucement de la fin et on a réussi à sauver Arnaud le frérot. Donc on est sur la mer actuellement pour vivre une vie paisible il me semble. Et on doit parler à tous les poteaux. D'ailleurs Hugo est revenu un peu à lui, il est redevenu un peu normal. La macula a régressé. Donc ça va le faire. Reste là. Il vaut mieux ne pas te réveiller après tout ça. Ouais, Arnaud, il a failli se faire pendre. Comment est la vue ? C'est beau. À quoi tu penses ? Tu crois que je suis différent ? Eh bien, je ne sais pas. Tu as faim ? Hein ? Oui. Alors, tu es toujours toi. Je me sens différent. Tout a l'air différent. Ça s'appelle grandir, Hugo. Et certaines choses font grandir plus vite. C'est vrai ? Oui. Mais on va calmer les choses maintenant. On va prendre tout le temps qu'il faut. J'ai hâte d'être dans la montagne. Bientôt. Très bientôt. On rentre à la maison, Hugo. Notre maison. Oui. Ça sonne comme des adieux quand même, hein ? Ça pue. Il est où, Lucas ? Lucas. Hey. Ah, hey. Comment tu te sens ? Toi d'abord. C'est comme... après un rêve étrange, un rêve horrible. Mais je pouvais pas me réveiller avant de l'avoir fini. Transformé. Comme... une renaissance. Il y a une nouvelle maison qui nous attend, Lucas. Est-ce que tu viens avec nous ? Eh bien... je dirais... que Hugo et toi, vous êtes ma maison. Alors... oui. On est heureux de t'avoir à nos côtés. C'est le goat. Je pourrais dormir des semaines. Je rêve d'un bain aussi. C'est vrai que depuis le temps qu'elle s'est pas douchée, ça ne doit pas sentir la robe. Rascasse, tu nous as sauvés. Bon, mais il reste plus que Sophia à qui parler, et après on a fini. Salut. Bien dormi ? Je me suis réveillée en pensant être morte. Un grand classique. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ma mère... elle avait une maison. Une vieille maison dans les montagnes. Je lui ai promis qu'il pourrait être heureux. C'est là qu'on ira. C'est une bonne idée. Tu seras toujours la bienvenue. Même si tu n'aimes pas l'altitude. Eh... les gens changent. Amicia, viens voir. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il va bien ? Qui sait ? Et si on lui demandait directement ? D'accord. Tu es vivant ? À ton avis ? Les morts, ça parle pas. Bien fait. Et... je suis désolé pour... mais... pour tout ça. Merci d'avoir convaincu ta sœur de m'aider. Tu m'as sauvé. Ça alors, tu t'es enfin décidé à être gentil. Me le fais pas regretter. La guerre est finie, Arnaud. On a tous mérité un peu de repos. Tu devrais essayer, toi aussi. Un bateau ! Oh non, c'est le comte ! Il est en train de nous rattraper ! Tu vois, c'est le problème avec la guerre. C'est pas toi qui décide quand elle s'arrête. Non, non, c'est pas possible ! Oh, le fou furieux est de retour. Il faut à l'intérieur, Hugo ! Tu seras à l'abri ! Reste à la barre ! On va hisser la voile ! Merde. Amicia, par ici ! Avec moi ! C'est les autres ! Ils s'en sortiront. Reste dans la cabine. Occupe-toi de la corde, de l'autre côté ! D'accord ! Comme dans Sea of Thieves. Allez ! Plus vite ! Ce salaud veut pas lâcher le morceau ! Il faut les distancer ! S'ils nous abordent, c'est fait ! Viens !
Il continue de gagner du terrain. Oh non, non. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ils vont nous rentrer dedans, là. On a besoin d'un meilleur angle. Amicia, va sur le pont inférieur. Tout de suite. C'est où? C'est là? Je vais te donner du mou pendant que tu tires vers toi. Oui. On n'a pas le droit d'échouer, Arnaud. Aucune chance. Ça marche. On prend de la vitesse. Mais ça ne suffira pas. On est très chargé. Jetez de la cargaison à l'eau. Tout de suite. Donne-moi un coup de main, Amicia. J'arrive. Oh, des archers. Baissez tous la tête. Malade. Je m'occupe du chargement. Vas-y. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut tirer? Vous pensiez vraiment vous enfuir avec mon enfant? Ce n'est pas ton enfant, espèce de fou! Touche-le éternellement, Victor! Ne faites pas de mal à l'enfant! Tuez tous les autres! Oh, elle est malade! Le bateau, il est dézingué. Sophia! Non! Venez, je vais vous tailler en pièces! Ils sont trop nombreux, Arnaud! À nous deux, c'est jouable. J'arrive! Prenez ce bateau pour le compte de Provence! Ah, Victor! Ne sois pas là! Réfugiez l'acheté! Par monsieur Provence! Va te faire foutre! Trop de surprise! Tuez cet homme! Archer! Ça te fait quoi de voir tes hommes mourir, Victor? On doit tenir, Arnaud! T'en fais pas! Je me reposerai pas avant d'avoir tué ce salaud! Venez tous! Je danserai sur vos cadavres! Le bateau est foutu, Arnaud! On prendra le leur! Attends, j'appelle le garçon, tu m'entends? Abattez-les! Il n'y aura pas de demain! Pour personne! Non! On peut y arriver! Venez donc! J'ai fini de m'échauffer! Vous mourrez! Aïe! Non, non, non! Reprends-toi! Il servira à un but malheureux! Je vais pas répondre à la mer jusqu'à... Oh la vache, y'a du monde! Mais ils sont combien sur le bateau? C'est un truc de ouf! Oh. Non! Amicia, non! Amicia! Amicia! Tu l'as tué! Hugo, viens avec moi! Hugo, viens ici! Oh, désolé. Les rats ne t'aideront pas ici. Non! Quoi? Oh la vache. Voyez ce petit être si fragile. C'est bon! T'as gagné! Ne le tue pas! Le tuer? C'est le fils d'Emily. Mon fils. C'est un fléau, Victor! Tu dois le laisser s'en aller! Avec sa sœur! Non! Je le dois à Emily. Avec elle, j'étais si sûr que ce monde portait autre chose que le sang, la guerre. Que je pouvais étouffer cet incendie qui couve. Mais en vérité, des gens comme nous viennent au monde pour attiser les flammes.
J'ignore ce que tu veux faire, mais tu échoueras. Il causera ta perte. Cet enfant fera ce que je lui ordonnerai. Nous plongerons ce monde dans les flammes. Et je bâtirai un empire sur ses cendres. Un monde bien meilleur. Reviens ici, lâche! Tu me dois du sang! Je me suis déjà acquitté de ma part. Tout ce qui compte, c'est que mon fils se repose. Achevez-le! Ah ouais. On a fini chapitre 14 déjà ? Ça a été vite ? Soleil agonisant. Chapitre 15. Sois maudit, espèce de sale porc ! Chut ! Ne crie pas. Pour la douleur, on s'en sert sur les champs de bataille. Hugo ! Je suis désolé. J'ai rien pu faire. C'était le plongeon ou la mort pour nous deux. On doit aller le chercher. Le comte sait de quoi Hugo est capable. Il faut le retrouver avant qu'il ne fasse souffrir encore plus. Partons. Sophia et Lucas sont partis devant pour trouver des chevaux. Serre les dents. On n'était pas loin de la côte, en fait. Bon sang. Je sais. C'est quoi cette ville ? Accroche-toi, ça fera vite effet. Marseille ? Le comte, il a dit quelque chose ? Tu lui as brisé le cœur et maintenant il veut la guerre. Il compte utiliser ton frère pour conquérir le monde. Il ne restera plus rien à conquérir. Je sais. Sophia et Lucas ? Secoué, mais ça va. Le garçon... C'est lui qui a nettoyé tes plaies. Il est doué. Ils sont partis trouver des vivres à l'épave. Oh, je suis si heureuse qu'ils soient en vie. Ils seront contents de te voir. Par ici. Viens, doucement. Ne va pas rouvrir cette blessure. Oui. Je crois que ta potion commence à agir. Quand je pense que j'aurais pu tuer cet ordure de comte. Tu ne pouvais pas gagner ce combat, Arnaud. Il est foutu. Il naviguera plus jamais. Un bateau, ça se remplace. C'est la mer qui compte le plus pour Sophia. Tu comprends ? Concentre-toi sur le plus important. Avant de le perdre. Merci. On va le retrouver. Parle comme un vrai chevalier, Arnaud. Non. Décidément, vous n'arrêtez pas de me surprendre. Où est mon frère, espèce de salaud ? Il va rester en lieu sûr. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à servir. Jusqu'à ce qu'il voie ta tête dans un sac. Jusqu'à ce qu'il sache que ce monde doit brûler. Arthur ! Je m'occupe de lui. C'est hors de question. Écoute-moi un peu, tête de mule. Pourquoi ? Pour que t'aies droit à ta petite vengeance ? Pour que tu puisses sauver ton frère, je vais lui faire avouer où est Hugo. Couvre mes arrières et reste en vie. Je crois qu'on va perdre Hugo. Tu es la fille ! Je suis avec vous, monseigneur ! Attention ! Ils sont ici! Lucas! Espèce de salaud! Qu'as-tu fait du garçon? C'est mon fils! Mon arme sacrée! L'enfant est avec nous maintenant! Tu ne finiras pas ton œuvre funeste! On va voir ça! Mais avant, je vous éliminerai tous! Au nom du ciel! Tu es là! Je m'en charge! Démolis la cabine!
plus forts qu'ils le seront jamais. Où as-tu emmené mon frère? Il s'est envolé peut-être une mort rapide. Où est le garçon? Le temps est là. Il s'est arrêté avec vous. J'arrive. Nous ne nous arrêterons pas. Et tous les innocents que t'as tués. Ton sang corrompu coulera à flot. Je massacrerai cette sorcière. Ne la sous-estimez pas. L'enfant était sous son emprise. C'est mon frère. Parle. Où est-il? Quel intérêt de parler à un mort? L'enfant nous sauvera tous. On perd du temps, Arthur. On doit trouver Hugo avant que... Arrête toutes tes conneries, Victor. Il est où? Tu n'en as rien à faire de lui. Tout ce que tu veux, c'est me tuer. Tu te trompes. Oh la vache. Il me croit morte. Il s'est livré à la Macula. Oh le bordel. OMG. Marseille. T'as amené l'enfant à Marseille après ce qu'il a fait à ta foutue île? La ferme. Je ferai le nécessaire. Ouvrez les yeux. C'est trop tard. Maintenant tout le monde est condamné et il... Arnaud, on doit partir, vite! Vous ne partirez nulle part! C'est quoi cette saloperie? De la sorcellerie! Elle nous jette un sang! Tu es là, vite! Pauvres idiots! Affrontez la vérité pour une fois! C'est votre dernière chance! Pourquoi reprendre les sorcières? Pour remplir la vie, c'est pas ton fils. Ne parle pas de lui. Son sang est sur tes mains. Je vous tuerai tous. Tu nous as abandonnés à l'ennemi. Mais tu peux te racheter ici et maintenant. Fais preuve de noblesse. Mais pas à cette folie. Et laisse partir le garçon. C'est la folie qui fait tourner ce monde. Mais je réclame. Vous êtes en train. Vous n'aurez rien du tout si vous ne me rendez pas mon prêt. J'ai tellement envie de te tuer. Mais je vais te laisser juste assez de souffle pour me dire où tu as caché le go. Aïe. Monseigneur, il faut évacuer. Non. Tu es la fille. Puisse la foi guider mon bras et nous mener au jour radieux. Emily est morte. Elle était la fille. Imbécile! Vous êtes juste la preuve qu'aucun d'entre nous ne mérite de vivre! Je sais! On fait tout ce qu'on peut! Tu as tout détruit toi-même avec tes mensonges! Aïe, il m'a éclaté la tête. C'est chaud cette phase là. Pauvres idiots! Affrontez la vérité pour une fois! Bon, on enlève où son... Dernière chance! Ah merde, j'avais pas vu lui! C'est pas ton fils! Ne parle pas de lui! Son sang est sur ses mains! Venez avec moi! Il nous a abandonnés à l'ennemi! Mais tu peux t'en racheter ici et maintenant! Voilà, ça brûle! C'est la folie qui fait tourner ce monde. Mais je réglerai ça à ma façon. Vous n'aurez rien du tout si vous ne me rendez pas prêt. J'ai tellement envie de te tuer. Mais je vais te laisser juste assez de souffle pour me dire où tu as cassé une main. Vous êtes en train de mourir pour rien. Monseigneur, il faut évacuer. Il est changeant. Tu es la fille. Et essaie de tous vous sauver, sale fumier. Imbécile! Vous êtes juste la preuve qu'aucun d'entre nous ne mérite de vivre! Nous vivions en paix! Mais vous avez tout détruit! Votre jeune passé d'arrêt! Tu as tout détruit toi-même avec tes mensonges! Attrape ça! Tu étais tellement grossière! Tu as
passer trop de temps à t'entraîner. Merde, il prend pas feu. J'arrive à niquer le gros là. Il faut rejoindre Hugo, vite. Je sais. Non, pas ça. On peut. La brusque pas. Reste en arrière, les gars. Oh, il y a deux gros. Ton épée devient trop lourde. Arnaud, t'en fais pas pour moi. Tout ira bien. Merde. Tu ferais mieux d'abandonner. Comment je vais les tuer eux? Ouais, mais bon, je sais pas comment les tuer, moi. Rigolo. Alors. Un de moins. Comment je vais faire avec lui? Ah, si je jette ça avec ça. Et puis maintenant j'enflamme. Hop. Oh, j'ai tout enflammé. Hop. Ah bah il a cramé, impeccable. Non. Oh non, pardon. Notre meilleur pote. C'est fini. Tu es trop vieux, Arnaud. Trop vieux pour te battre. Et toi, tu n'es qu'un chien trop stupide. Amicia, à toi. C'est terminé. Bam, headshot. Ça tuera le soleil. La nébula. Joli coup. Vieil imbécile. On te doit tous beaucoup. Elle est partout. Les rats vont tout envahir. Tu crois qu'on a encore le temps? Quelle importance?
Allons-y. Laisse-moi faire. Je vais prendre les rênes. Il faut bien que je m'occupe. Combien de temps jusqu'à Marseille ? Pas tant que ça, je dirais. Amicia, tu te sens bien ? Non ! J'aurais pu ! Tu n'aurais rien pu faire. Je ne sais même pas comment tu tiens encore debout. T'as fait tout ce que tu pouvais. Il le savait, Amicia. Sans compter que tu lui as donné ce qu'il désirait le plus. La mort du comte ! Non. Quelqu'un a aimé. Un vrai but. Oui. Il a sacrifié sa vie pour nous. Je ne le laisserai pas être mort pour rien. Trouvons vite où est Hugo. C'est le souci. Marseille est une sacrée grande ville. L'explosion de Nebula a dû laisser des traces. J'ignore ce qui se passe là-bas. Mais Hugo doit se trouver à l'épicentre. Comment peut-on savoir s'il est encore vivant? Il y aura des signes. J'espère. Ça a l'air bien ravagé en tout cas. Waouh. Ce genre de signe? Oui, c'est lui. Mais ce n'est pas de très bon augure. C'est quoi ce bruit? Ça vient de la ville. Ça vient du sol. Oh le bordel. On la trouve et on file. Courez! Il s'est passé une chose terrible en ville. Quoi? N'allez qu'est-ce qui s'est pas passé? Fuyez dans les collines. Non! Non, vers la mer. Trouvons une barque. C'est quoi ces secousses? Assez! Les portes de l'enfer se sont ouvertes. Marseille est perdue. C'est... c'est le choix ultime de la Macula. La fin des temps. Nous sommes maman tous allés. Il faut faire demi-tour. Il faut retrouver maman. Lève-toi. Je t'en supplie, lève-toi. Je peux pas. Ma jambe. Il le faut. Je te laisserai pas ici. T'es sûr que ça tiendra? Marseille. Ils sont en train de barricader la porte. Pourquoi? Parce que ces secousses viennent de l'autre côté. Les gens encore à l'intérieur! Ils sont déjà morts! Continue! Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre porte plus loin, mais ces bottes de paille sont sur le chemin. Attendez, on a ce canon! Tu sais t'en servir? Mais j'en sais rien! Attends, tu c'est pousses quoi, ce là? Canon ça doit être ça. J'ai compris, je crois. Alors vas-y! Ah oh, c'est un lance-flamme, trop stylé! C'est... du feu grégeois? Oui! Le comte a récupéré des chariots de l'ordre. Et donc on va... au-delà de ces murs? N'y pense pas pour le moment. Allons-y, Sophia. C'est reparti. Oh le bordel. Il a l'air un peu vénère, Hugo. Ces secousses ne viennent pas du sol. Non, elles viennent des remparts. On dirait... des battements. Son cœur les commande. Tu imagines combien ils sont? Alors c'est comme ça que ça commence. Quoi? Notre châtiment. Wow. Ouais, y a du monde, hein. Ça marche. Pour le moment pas. Ils sont trop nombreux. Wow, le pont d'Awa. Oh, Seigneur. Ils ne s'arrêtent pas. Ils sont tous ici. Écho.
Sophia ! Par ici ! Est-ce que ça va ? À ton avis. On y est. Je ne connais pas Marseille. Oh. C'est vraiment charmant, cette saison. Allons retrouver mon frère. Chapitre 16, Roi Hugo. Et moi qui te pensais invincible ? C'est pas le cas. J'ai parfois tendance à l'oublier. Lucas, je veux te dire que c'est un honneur de t'avoir à mes côtés. Tu es la personne la plus fiable, loyale et gentille que j'ai connue en ce monde. J'en sais rien. Mais vous êtes ma famille. Vous dites tout ça parce que vous pensez que c'est la fin ? Vous avez encore plein d'années devant vous, alors restez en vie. C'est un ordre, compris ? Tellement mieux que ce qui lui arrive. Maintenant, fais attention à toi. Bien, et ben écoutez, on va chercher Hugo dans le prochain épisode, et je pense que ce sera le dernier. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve pour l'épisode final la prochaine fois. Allez! Tchuss.